ne rendez pas la vie de vos enfants misérable en pensant que vous devez leur faire réussir les choses que vous n'avez pas réussies. Vous n'êtes pas un patron, ils ne vous appartiennent pas. Votre enfant a besoin d'un ami, quelqu'un qui s'occupe de lui, quelqu'un qui joue avec lui. Tout le rôle de parent a fortement changé ces 25 dernières années. Probablement que, quand j'étais petit, pas sur moi, mais en général, en tant que génération, les parents avaient entre 60 et 70% d'influence. L'école et les expositions extérieures environ 30%. Parce que tu ne rencontrais quasi personne en dehors de tes copains d'école et quelques amis de la famille. C'est à peu près tout. Il n'y avait pas d'exposition comme ça, à part ce que tu lisais et ce que tu pouvais voir quelque part dans un cinéma. Il n'y avait aucune vidéo, nulle part, d'accord? C'est quelque chose de nouveau. Mais cette équation s'est inversée. Aujourd'hui, votre influence sur l'enfant, c'est probablement 25 à 30% maximum. Ils sont influencés par toutes sortes de créatures de partout. Quel genre de créature, quel est leur but, on ne sait pas. Les professeurs n'ont quasiment aucune influence. Les amis et les voisins n'ont quasiment aucune influence. Quelqu'un d'autre ailleurs a une énorme influence sur eux. Donc, quand c'est comme ça, si vous... Parce que, parmi toutes les personnes du monde, étant une mère, on va supposer que vous avez les meilleures intentions pour votre enfant dans votre cœur. Donc, quand tel est le cas, votre influence devrait être maximale. Mais cela n'aura pas lieu dès que vous pensez « je suis un parent ». Parce que le parent est un fichu patron que personne n'aime. Si votre enfant veut partager quelque chose, il ira le partager avec ses amis. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que leurs amis sont sensés. Les parents sont un peu... Vous savez, ils ne comprennent rien. Ils sont d'un autre monde. Ne faites pas ça. Votre enfant a besoin d'un ami. Il n'a pas besoin d'un patron. Allô? Ils n'ont pas besoin d'un patron. Ils ont besoin d'un ami. Quelqu'un qui s'occupe d'eux, quelqu'un qui joue avec eux, qui a autant d'enthousiasme pour la vie qu'eux. Oh, je suis un parent. La plupart des parents portent, comme s'ils portaient un lourd fardeau. Oh, mes enfants, il va se passer ça à leur carrière, que va-t-il se passer? Il y a peut-être 32 ou 33 ans, c'est l'un des premiers programmes que j'enseigne, un programme d'ingénierie intérieure à Chennai, et un homme, lors d'une session tôt le matin, il est très inquiet pour l'avenir de sa fille. Et il y a un examen qui approche, et cette fille ne se concentre pas sur ses études. Il se fait beaucoup de soucis pour son avenir, tout ça. Je regarde ce type, il fait plutôt jeune, quel âge peut bien avoir sa fille? Je lui demande, quel âge a votre fille? Il dit, 4 ans. J'ai dit, sombre crétin, tu ne mérites pas d'avoir un enfant. Une fille de 4 ans, tu es inquiet pour son avenir. Elle ne fait pas ses devoirs, elle ne se concentre pas sur son éducation, elle n'apprend pas ses maths comme il faut. Elle n'obtient que 18, il manque encore 2 points. Ce que je dis, c'est que c'est de la foutaise. Ne rendez pas la vie de vos enfants misérable en pensant que vous devez leur faire réussir les choses que vous n'avez pas réussies. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. Il se trouve qu'ils arrivent à travers vous. Ils ne viennent pas de vous. C'est un privilège qu'une autre vie soit arrivée à travers vous. Appréciez toujours ce privilège et voyez ce que vous pouvez faire de mieux. Vous n'êtes pas un patron. Ils ne vous appartiennent pas. C'est un grand privilège, une autre vie. Vous avez l'opportunité de vous occuper de la vie depuis son tout début, pour la faire grandir en la cultivant du mieux possible. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est, chez vous, créer une atmosphère où vos enfants ne verront jamais ce qu'est la colère, ce qu'est la frustration, ce qu'est la peur, ce qu'est la jalousie, ce que c'est que se disputer. Ces choses, ils n'en ont jamais été témoins. Ils ont grandi dans une atmosphère de joie et d'amour. C'est tout. Vous n'avez pas à leur enseigner une quelconque stupide philosophie. Ils vont bien grandir. Parce que c'est cette ambiance qui est nécessaire pour qu'une vie se forme.